Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve tout simplement pour une nouvelle vidéo réactionnelle. Enfin, le grand retour du post-groupe coréen, j'ai nommé Seventeen pour tout simplement leur 9e mini-album avec leur titre phare, Rock White You. J'espère qu'il y aura beaucoup de sonorités rock comme le titre l'indique. Il y a 3 membres qui ont tout simplement écrit les paroles de la chanson, dont Woozy, Vernon et Joshua. Bon, on sait que Woozy est beaucoup dans les paroles et la composition de Seventeen. On sait très bien que Seventeen crée également leur chorégraphie et tout. Donc c'est pour ça que j'aime énormément ce boss group, parce que chaque fois ils nous donnent des sons mais pepsants. Tous leurs albums sont souvent géniaux et d'autant plus les membres participent de A à Z pour toute leur promotion, leur album, chorégraphie comme je le disais. Donc vous savez bien, moi j'aime tellement quand un artiste ou un groupe s'investit mais complètement de A à Z, et c'est le cas avec Seventeen. J'aime tout ce qu'ils font, que ce soit les comebacks coréens ou les comebacks japonais. Et là, je peux vous dire que ça a été très 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 dur. Je n'ai regardé aucun teaser photo ni teaser vidéo. Je voulais vraiment mais totalement me faire une surprise et pas me spoiler d'un pouce. Et je peux vous dire que je l'attendais, cette MV. Et c'est parti, donc je vais découvrir leur nouveau titre maintenant. Go et go et go. Oh, ça commence déjà bien. Intéressant. Ok, il y a le titre de leur album là, sur les ballons. Il est trop chou. Oh. Ah, j'adore ce côté rock des années 70-80. Je peux pas te prendre pour acquis. Sympa la parole. J'aime la façon dont la guitare électrique apporte ce rock au niveau du refrain. Je roule avec toi, alors on lui montre avec une grosse moto, mais oui! Ça fait penser à un journal intime où tu placardes en fait des photos avec du scotch, tu vois. J'aime beaucoup cet effet. Oh. Ah, sa voix va très très bien avec ce rock, franchement. Il y a tellement de plans de transition, c'est affolant. Ah, Woozy. J'aime beaucoup les ballons qu'on retrouve dans beaucoup de parties du MV, je trouve. Pourquoi es-tu? Ok, ils sont sur scène. Oh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Oh, c'est très beau visuellement avec cette pluie et tout. C'est cassé. Oh, les astres. Oh. Cool. Oh, t'as vu toutes les motos, mais il n'y a personne dessus en fait. J'adore tous ces ballons. Oh, on retrouve tous les astres et tout avec toutes ces lampiotes. Je veux rester avec vous aussi. Bravo. Eh bien, que dire, j'aime beaucoup cette chanson. Il y a clairement une présence de rock, surtout cette guitare qui va en amont dans le refrain. J'aime vraiment beaucoup parce qu'on entend le synthé qui est intense et les rythmes sont vraiment rapides, comme si tu courais, bah, on voit avec leur moto, les ballons, etc. Donc franchement, que dire,
à part que c'était une chanson géniale. J'ai beaucoup aimé les paroles, évidemment ça parle d'amour, mais il y a un moment donné, il y a une phrase qui m'a vraiment interpellée et que j'aime beaucoup. L'amour n'est pas acquis. En fait, c'est pas parce que vous êtes en couple que tout est acquis. Et franchement, j'aime beaucoup ce genre de paroles, surtout cette phrase. Au niveau du MV, il y avait tellement de transitions que à un moment donné, j'étais complètement perdue. Ça faisait rafale, 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 comme la chanson Courir en fait. Je trouve que tous les membres sont bien mis en avant. J'ai beaucoup aimé cet effet en photo, comme si c'était dans une sorte de des photos souvenirs dans un cahier, tu vois, de fin d'études, ou carrément dans un journal intime où on colle des photos, etc. J'aimais beaucoup ce détail, ce visuel. J'ai beaucoup, énormément aimé les ballons. Sur les ballons blancs, on voyait même le titre de leur 9e mini-album. J'ai beaucoup aimé aussi ces gros ballons rouges et tout. J'ai beaucoup aimé aussi, il y avait des moments où c'était sombre, mais t'avais des couleurs néons. Et beaucoup en rapport avec l'astrologie, t'avais vraiment une lunette pour voir les planètes, la lune, les étoiles, etc. Mais à la fin, quand ils étaient sur cette scène qui était assez rock'n'roll avec toutes ces motos, mais il n'y avait personne dessus, c'est comme s'ils remplaçaient ce public, encore en rapport peut-être avec la vitesse de la chanson, etc. Mais j'ai beaucoup aimé aussi parce qu'on voyait même dans la peinture vraiment les astres, les étoiles, mais également donc sur cette fameuse scène, toutes des petites étoiles en multitude et puis cette boule à facettes qui donnait ce truc en plus. Là, il y avait tellement de détails, leurs vêtements étaient cool aussi, encore une très très belle chorégraphie synchronisée, millimétrée comme on aime avec Seventeen. J'ai hâte de voir quand même le live au complet, surtout cette chorégraphie, mais encore une fois, gros gros coup de cœur pour le nouveau titre des Seventeen. Et c'était un très très bon MV, j'ai passé vraiment un moment génial et tout en rock attitude. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si comme moi vous avez apprécié le retour, également leur chanson titre et leur MV. Moi je vous fais des énormes gros bisous, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Et s'il vous plaît, prenez soin de vous et de votre famille, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, sayonara. I wanna stay with you.